Ouais, Roman Fouque qui a fait son meilleur temps, qui était à 1,47,2. Il a nagé une demi-seconde plus vite ce matin. Il avait terminé deuxième à Limoges au championnat de France l'année dernière et cette année, il sera à la ligne d'eau numéro 4. Il avait fait également le 4x200 mètres nage libre au championnat du monde et aux Euros. Et il avait fini troisième à Rome sur le 4x200 mètres. Alors Hugo Grosjean, pour Mulhouse, bah, ce n'est pas le plus gros pédigré. Il est à l'extérieur, il y en a un autre qui arrive à l'extérieur. Mais lui, c'est juste un monstre de la natation mondiale. Vainqueur hier du 200 brasses, double champion du monde du 200-404 nages, Léon Marchand. Alors bon, son record pulvérisé ce matin est anecdotique, 1,48,70. Mais il peut aller beaucoup plus vite. Max Berg de Montpellier sera à la ligne d'eau numéro 7. Et puis Yann Le Goff, le breton de Brest, à la 2. Et on entend le public. Le public breton est là pour soutenir l'enfant du pays. Champion de France l'an dernier avec un chrono d'une 46,84 à l'étudiant à l'université de Dauphine, Adrien Salvant du stade de Vanves, troisième au sein du relais 4x2 des derniers championnats d'Europe à Rome. Ligne d'eau numéro 3, il avait été extrêmement rapide dans le relais 4x2 mixte et 4x2 messieurs. Lui aussi double médaillé européen. Wissam Amazir Yeba qui a progressé sur 100 mètres. Si il arrive à faire ce qu'il fait en relais, on pourrait le voir sous la minute 46 un jour celui-là. Et puis Enzo Tezic pour Nogent Natation. Il était à Amiens auparavant. Il s'entraîne à l'INSEP avec Michel Chrétien. Oui, et il a battu son record. Et il a fait son meilleur temps ce matin. Ouais. Lui aussi a amélioré son meilleur chrono, le grand Roman Fuchs d'Amiens Métropole Natation. Et il passe un cap, Roman, que l'on a vu aussi sur 400 mètres, très probant pendant les compétitions cet hiver. Et il arrive serein. C'est lui qui impose le tempo hein, aussi, meilleur temps. Voilà, je ne vais pas me laisser déstabiliser. Il y va tranquille. Ouais, mais il a raison, ça met un peu de pression sur les autres. Et Léon Marchand, bien évidemment. Moi, je suis curieux de voir les coulées de Léon. Alors, la meilleure perf mondiale de l'année, une 44,65. Ils sont 5 à avoir nagé sous la minute 45, 13 sous la minute 46. Le record de France, bah oui, c'est une 43,14. Le record du monde officieux en maillot classique. C'était Yannick Agnel qui avait été stratosphérique lors de la finale des Jeux de Londres en 2012. Il l'avait consacré champion olympique. Ouais, une finale sous haute tension parce qu'il y a 4 places à aller chercher. Il y a 2 tickets individuels, mais 4 places à aller chercher en relais. Le meilleur nageur de la saison, c'est Amazir qui a nagé très très régulièrement sous ligne 48, qui arrive en forme ici. Le compagnon du TOEC. Roman Fuchs, Adrien Salvant, le champion de France, Enzo Tezic qui arrive en outsider, et puis Léon Marchand tout en haut. La minute 42-0-0 de Paul Biedermann, battu en combinaison par l'Allemand à Rome en 2009, ne sera pas battu. Mais c'est une course qui promet beaucoup avec, pour l'instant, eh bien, un nageur de Toulouse en tête. Pas Léon Marchand, mais c'est Yeba à la ligne d'eau numéro 3. Et oui, Amazir qui a fait son meilleur temps 100 mètres cette année, qui a énormément progressé. Il avait subi une déconvenue l'hiver dernier en échouant à se qualifier au championnat du monde Petit Bassin à Melbourne après les championnats d'Europe réussis de l'été dernier et qui revient avec le couteau entre les dents pour aller gratter cette place. Alors on a vu des longues coulées de Léon Marchand, la longue coulée de Léon Marchand tout en haut. Roman Fuchs qui revient, Yeba et puis également Adrien Salvant. Voilà, la coulée de Léon Marchand. Où va-t-il ressortir Léon Marchand qui pousse le plus loin possible pour ressortir à la limite des 15 mètres. Mais pour l'instant, c'est Yeba qui est devant Fuchs et Salvant. Léon Marchand qui est toujours en quatrième position et également Berg qui est quatrième ex aequo. Léon Marchand qui revient maintenant. On sait qu'il peut avoir un très très bon retour. C'est un nageur qui fait du 400 mètres 4 nages, donc il y a une... Wissam Amazir Yeba également, et Léon Marchand et qui Roman Fuchs, la coulée de Léon Marchand,
qui a accéléré maintenant et qui il fait une est deuxième. Parti à l'attaque. Voilà, voilà Léon Marchand, le temps à réaliser pour les champions du monde, une 46-79. Fuchs qui revient. Adrien Salvan également. Salvan en bas. Oh là, ils sont quatre sur la même ligne, ça va être à la ça touche. Je pense que c'est Léon Marchand qui va être devant. Léon Marchand avec un record amélioré, une 46-44. Victoire devant Salvan et les deux qualifiés. Malheureusement, Fuchs qui n'est pas qualifié parce qu'il est troisième. Mais Léon Marchand pulvérise son record et de nouveau qualifié, une 46-44. Et c'était une 46-79. Je crois qu'il n'y a que Léon qualifié. Je me suis enflammé, ça doit jouer un dixième. Léon qualifié et Adrien Salvan qui ne doit pas être très très loin. Il était à 43 centièmes, c'est ça? Il me semble. Hein. Il me semble que ça va être un peu juste pour... En tout cas, Léon Marchand, deux courses, deux victoires, deux records personnels. Une 46-82, mon Dieu que c'est cruel, pour 3 centièmes. 3 centièmes, il a manqué 3 centièmes à Adrien Salvan pour se qualifier. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont 3 sous la minute 47. Et si on rajoute Wissam Amazir Yeba, Enzo Tezic également sous la minute 48. Voilà, Roman qui avait été plus rapide ce matin, une 46-7, ça lui aurait permis d'accrocher cette deuxième place et surtout de refaire le temps parce que Roman Fuchs avait réalisé le temps ce matin, les minima pour faire les championnats du monde. Ça va être une hyper spécialiste une déception. De la distance. Tu exploses ton record perso alors que tu t'es fait peur ce matin en série. Roman, tu viens féliciter bien sûr Léon après sa victoire. L'analyse de ta course, tout simplement une course de stratège, une course patiente. Tu as attendu ton heure et tu es allé la chercher. Ouais, c'est clair. C'était bien que je sois à la ligne 1. Comme ça, j'ai vraiment pu me concentrer sur ma course à moi. C'est la première fois que je fais vraiment un bon 200 bien construit. Pas partir trop vite, essayer de garder un peu les jambes pour la fin. Et au final, je gagne 2 secondes sur mon meilleur temps, donc je suis content, ouais. C'était la stratégie d'attendre, de ne pas s'enflammer? Oui, c'est clair. Ce matin, je suis parti beaucoup trop vite. Je suis parti comme ce que je faisais en petit bassin aux États-Unis. Malheureusement, ici, voilà, il faut un peu plus construire. Je pense que j'ai fait super bien ce soir. Il y a un truc assez bluffant. Ta victoire, tu l'as aussi construit sur des coulées assez fantastiques. C'est quoi le secret de ces coulées-là? C'est beaucoup d'entraînement. Il y a une part d'inné aussi. C'est surtout l'entraînement. Je les répète tous les jours. J'en fais toujours 8-9 ondules par entraînement. Chaque mur, que ce soit un 4 km ou un 8 km. Et là, voilà, je sors de 1 mois d'altitude, donc je commence à avoir les effets d'altitude aussi. Ce qui fait que j'arrive à faire 15 mètres de coulée au dernier 50. Autre chose bluffante, la récupération, parce que hier soir, tu sors un 200 brasses stratosphérique. C'est quoi? C'est l'école américaine où on enchaîne beaucoup les courses qui te permet aussi de résister à tout ça? Oui, c'est clair, j'ai l'habitude de faire beaucoup de courses, d'enchaîner les courses. Je m'entraîne pour ça, c'est un peu mon petit challenge aussi. Et là, voilà, une course par jour, enfin deux du coup avec les finales. Ça me va, j'arrive à récupérer le soir, à bien dormir, partir le plus bel le lendemain. Et la toute dernière, nous on a forcément une idée en tête, c'est le relais 4x200 au jeu. Vous en parlez avec les gars, avec Enzo, avec Roman de ce relais-là et vous dites qu'il y a quelque chose de gros à faire? Oui, c'est clair, alors c'est encore le début. Il faudrait qu'on ait plus de nageurs en 1,45, mais tout le monde s'entraîne un peu de son côté et on pense qu'on a la même idée en tête, donc ça va le faire, je pense. C'est quoi cette idée-là? Pardon? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est essayer de faire un podium au jeu l'année prochaine. Et je pense que cette année déjà on va être pas mal, on va pouvoir faire une finale et être parmi les meilleurs. C'est tout ce qu'on vous souhaite, merci beaucoup. Ouais, en se souvenant que la France avait fait deuxième derrière les États-Unis en 2011 et aux Jeux aussi en 2012. Il y avait Lochte, il y avait...